Salut les filles, alors je reviens avec une nouvelle vidéo. J'ai été taguée par Isabelle, donc Tinkerbell Isa, pour le tag I love fall, donc j'ai imprimé les questions. Et donc tout d'abord je voulais vous parler vite fait de mes lunettes parce que vous ne m'avez jamais vue avec. Non, j'ai jamais fait de vidéo avec. Et donc ça fait à peu près 2 mois que je les ai. Et voilà, donc ce sont des Ray-Ban. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est... Elles sont brun foncé et l'intérieur donc c'est en violet. Donc je les aime beaucoup mais j'avoue que j'ai un petit peu du mal à les mettre parce que bah, c'est pas très discret et j'ai pas l'habitude de mettre des lunettes donc voilà. Donc bah, du coup j'en profite pour vous demander si vous trouvez qu'elles me vont bien ou pas. Mais bon de toute façon même si elles ne me vont pas j'ai pas trop le choix étant donné que bah, j'ai besoin de lunettes donc je fais avec, voilà. Donc j'ai assez blablaté, je commence tout de suite avec le tag. Donc première question, mon produit pour les lèvres préféré pour l'automne. Donc j'ai deux produits en fait. Donc un produit soin qui est le baume à lèvres Carmex. Parce que j'ai tout le temps les lèvres sèches, même en été, mais à partir du moment où il commence à faire plus froid, donc automne-hiver, j'ai encore plus besoin d'utiliser des baumes à lèvres et celui-là est vraiment très très bien donc je dirais mon baume à lèvres Carmex. Et ensuite pour plutôt pour colorer les lèvres, donc j'ai mon gloss essence Stay With Me. Voilà. Dans la couleur 06 Berry Me. Et donc je l'aime beaucoup parce que justement, donc là je l'ai sur les lèvres mais on le voit pas trop parce que j'en ai pas mis énormément et c'est vraiment ce qui est très très bien avec ce produit, c'est que plus on en met et plus ça se voit en fait. Donc en plus il est très agréable à porter parce que c'est un gloss qui ne colle pas, donc moi je l'adore. Et si vous avez la possibilité de tester ces gloss là, je vous les conseille vraiment fortement et voilà. Donc ensuite, mon vernis préféré pour l'automne. Donc moi j'ai énormément de vernis, donc c'est quasiment impossible pour moi d'en choisir seulement un. Donc j'ai décidé de vous montrer celui que j'ai actuellement sur les ongles. Donc il s'agit du vernis OPI. Donc je vais vous montrer la couleur. C'est un violet avec des très très beaux reflets qui tirent vers le rouge et le doré. Voilà, et c'est le Dutch Yeah Just Love OPI. Et donc je l'ai sur les ongles. Voilà. Donc ça fait peut-être plus joli sur des ongles courts comme celui-là parce qu'il a cassé. Mais j'avais pas envie de couper mes ongles juste pour mettre du vernis. Donc voilà, je l'ai mis sur des ongles longs. Et ce que j'aime bien, c'est que souvent dans les vernis, on voit des beaux reflets dans la bouteille, mais une fois sur les ongles, on ne les voit plus du tout. Alors que celui-là, les reflets qui sont dans la bouteille, on les a également sur les ongles. Mais on le voit plus ou moins selon la lumière. Donc là, il fait pas beau, donc je pense pas que vous verrez grand-chose. Peut-être un petit peu. Et donc sur cet ongle-là, j'ai décidé de mettre mon vernis Essence Nail Art Special Effect. Voilà, dans la couleur 08 Night in Vegas. Et en fait, je trouve qu'ils vont très très bien ensemble parce que justement les reflets de ce vernis, c'est également dans le rouge doré. Donc du coup, ça va vraiment très très bien avec. Donc voilà pour mon vernis préféré. Ensuite, ma boisson Starbucks préférée. Donc moi, je n'ai pas de Starbucks dans ma ville, donc j'ai vraiment jamais goûté ces boissons-là, donc je peux pas répondre à cette question. Mais j'ai vu que les Françaises qui faisaient ce tag avaient remplacé la question par, enfin, avaient rajouté ou votre boisson chaude préférée. Donc je vais répondre plutôt à ça. Donc moi j'ai une machine à café Tassimo et ma boisson préférée c'est la saveur crème brûlée. Donc si vous avez une Tassimo, je vous conseille fortement d'y goûter si c'est pas déjà fait parce que franchement c'est trop 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 bon. J'adore cette boisson, je pourrais en boire tout le temps. Et voilà, j'adore. Ensuite, ma bougie préférée de l'automne. Donc là, je ne vais pas pouvoir répondre à cette question parce que je ne fais quasiment jamais brûler de bougie. Je trouve ça trop dangereux, surtout que j'ai des chats. Donc pour la petite histoire, pour vous prouver que c'est vraiment dangereux, donc on avait fait une raclette et donc on avait décidé de brûler une bougie pour parce qu'elle avait comme propriété de capturer les mauvaises odeurs. Et donc on l'avait posée sur un meuble
Et donc moi j'ai des chats, et j'ai un de mes chats qui a décidé de monter sur ce meuble, et son poil a commencé à brûler, donc heureusement on était à côté, et on a pu tout de suite éteindre, donc elle s'est pas brûlée, elle a pas eu mal, mais imaginez si on n'était pas à côté, ça aurait pu être très très dangereux, et donc même si on a des animaux ou pas, ça reste assez dangereux, donc je ne fais jamais brûler de bougies. Donc mon accessoire ou foulard préféré, donc là moi je dirais que c'est ce foulard. Voilà. Donc c'est un foulard très très léger, donc qui est plutôt pour les jours où il fait pas trop froid. Et je l'ai acheté chez Kiabi, donc il a plein de petits chats. Voilà. Et franchement, je le trouve trop trop mignon. Donc depuis que je l'ai acheté, j'arrête pas de le mettre. En plus, il a coûté que, je crois, autour de 3 euros. Donc ça vaut vraiment le coup. Ensuite, alors là, c'est pareil. Sur le tag des Québécoises, il y a écrit donc aller aux pommes ou dans un labyrinthe. Et donc sur le tag version française, c'est votre attraction effrayante préférée, maison hantée. Donc, parce qu'en fait, aller aux pommes, c'est beaucoup plus. Je pense que c'est une tradition québécoise, parce qu'en France, à ce que je sache, on ne fait pas ça, malheureusement d'ailleurs. Parce que ça a l'air vraiment très sympa, ça a l'air très convivial, très. Ben, en famille, donc on passe un agréable moment, je pense. Mais donc, je peux pas répondre à ça parce que on ne fait pas ça ici. Enfin, en tout cas, j'ai jamais entendu parler de ça. Mais donc, votre attraction effrayante préférée slash maison hantée. Donc, moi, j'ai un parc d'attractions pas très loin de chez moi. Enfin, quand même, en Allemagne, quoi. Et donc, du coup, il est vraiment super ce parc. Donc il y a une maison hantée, mais bon, ça fait pas énormément peur, donc on s'effraie de temps en temps, mais je vais dire un manège qui apporte de très très grandes sensations fortes. Je vais dire que c'est le Silver Star, donc pour celles qui connaissent, c'est je crois le manège le plus grand de toute l'Europe. Donc il est vraiment très 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 bien. J'adore ce manège. C'est pas possible d'aller là-bas sans essayer au moins une fois ce manège. Donc c'est en fait, c'est des montagnes russes et le manège est vraiment très très haut et il va relativement vite. Donc je dirais le Silver Star. Ensuite, mon film d'Halloween préféré. Donc là, je n'ai pas de film d'Halloween préféré tout simplement parce que je déteste les films d'horreur. J'aime pas avoir peur en fait. Je suis une grosse trouillarde mais je fais des cauchemars et en fait je comprends pas l'intérêt de se faire peur. C'est bête, mais voilà, je déteste les films d'horreur. Ensuite, mes bonbons d'Halloween préférés. Donc moi, je mange plus trop de bonbons, mais quand j'étais plus petite, j'aimais beaucoup les Skittles. Et sinon, j'aime bien en général les bonbons à base de gélatine, donc du style les petits nounours. Ce que j'aimais bien aussi, c'était les Schtroumpfs. Donc je sais pas si ça existe encore, mais ça, j'aimais bien. Donc ce genre de bonbons, je suis pas trop difficile. En quoi te déguises-tu cette année à Halloween? Donc, malheureusement, en France, on ne fête pas trop trop Halloween passé un certain âge. Donc, quand on était petit, oui, on fêtait Halloween, mais là, sauf si on va à une soirée, c'est quand même assez rare. Mais bon, si je devais me déguiser, je choisirais, je pense, Catwoman, parce que j'aime beaucoup et comme j'adore les chats, ça colle plutôt bien. Donc, je dirais Catwoman. Et ensuite, dernière question, que préfères-tu de l'automne? Donc, j'allais dire les feuilles, mais là, je me rends compte. Ouais, donc je me rends compte qu'il neige en ce moment même. Donc, fin octobre, je trouve ça assez tôt pour de la neige quand même. Mais en fait, c'est trop beau. Ouais. Donc, j'allais dire. Parce que j'aime, c'est les arbres qui changent de couleur. Je trouve ça vraiment trop, trop beau. Ensuite, ce que j'aime aussi, c'est qu'il commence à faire plus froid, donc du coup, ben, j'ai plus envie de me maquiller, parce qu'en été, quand il fait trop chaud, je me maquille quasiment pas, les yeux, je me maquille pas. Et donc du coup, là, je commence à ressortir mes palettes, à beaucoup plus les utiliser, donc ça, j'aime bien aussi. Et sinon, ah bah oui, ce que j'aime bien aussi, c'est qu'en automne, on commence à voir les décorations de Noël, et j'adore cette fête, en fait. Cette fête, en fait. Donc,
Ça aussi, j'aime beaucoup tout ce qui est ambiance de Noël. Dans les magasins, dans la ville, on commence à voir les décorations. Franchement, ça, j'adore. Donc voilà, c'est tout pour ce tag. J'espère que la luminosité n'est pas trop nulle parce qu'il, ben là, je vous ai dit, il neige et on est en fin d'après-midi, donc du coup, il commence à faire très très sombre. Donc j'espère que c'est pas trop trop mauvais. Et voilà, donc ben, j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout à toi, Isabelle. Et donc, si vous n'avez pas fait ce tag, je vous tag. Et n'oubliez pas de le mettre en commentaire vidéo pour que je puisse voir vos réponses. Et donc voilà, je vous fais plein de grands bisous et je vous dis à bientôt. Salut!